On a besoin de ce texte. Est-ce que les étudiants étrangers devront déposer une caution pour obtenir un titre de séjour ? C'est ce qui est prévu effectivement dans le texte. Nous avons réussi à obtenir le fait que ce ne sera pas le cas pour des gens qui ont de faibles revenus et qui ont des parcours universitaires, scolaires importants. Donc ça ne sera pas pour tout le monde. Afin d'éviter en effet qu'il y ait une sorte de détournement pour ceux qui viennent faire leurs études en France de finir d'immigration irrégulière. Ça sera une caution de combien ? On verra bien, on a une discussion, c'est renvoyé au décret à l'arrêté. On va d'abord faire la loi et puis ensuite on fera le décret à l'arrêté. Mais il y a des exceptions et ces exceptions, ça doit permettre aux étudiants qui ont peu de moyens et qui sont talentueux de venir en France. Le délit de séjour irrégulier va-t-il être rétabli ? Oui, sans doute, sans doute. Et moi j'avais déjà dit qu'à mon avis...